peu plus une place de titulaire. Dans une fin de saison qu'il n'aurait jamais imaginée aussi belle, sur un plan personnel, l'international algérien a deux objectifs majeurs. Découvrir la Ligue des Champions et vivre bien sûr un beau rêve à l'occasion de la Coupe du Monde au Brésil. Romain Collet-Godin avec Rémi Vorano. À Naples, l'azur est partout. En quittant Saint-Etienne, Faouzi Ghoulam a troqué un monochrome pour un autre, laissé le vert pour endosser le bleu. Depuis janvier, il s'est imposé en Serie A, titulaire indiscutable au pied du Vésuve. En tant que joueur, on veut jouer les grandes compétitions et on veut se sentir important. Et ici, en Italie, je me sens vraiment important parce que je fais partie des 3 meilleures équipes italiennes et des 15 meilleures équipes européennes. Stéphanois d'enfance et de formation, Ghoulam incarnait avec Kurt Zuma et Joshua Guilavogui une génération d'exception, celle de tous les espoirs pour Geoffroy Guichard. Mais après une première envie de départ au Torino l'été dernier, l'arrière-gauche s'envole pour Naples au mercato d'hiver. J'ai été critiqué à Saint-Etienne après mon départ. Parce que je disais que je voulais faire ma carrière à Saint-Etienne. Ce qui m'a un peu chagriné, et j'en ai pas parlé encore, c'est le fait que je sois un peu égratigné devant les journaux, sachant que Saint-Etienne prend une somme qui est de 5,5 millions d'euros sur un latéral gauche qui, au début de saison, n'était pas numéro 1, qui finit avec 16 matchs et 4 passes décisives. Je pense que j'ai apporté ma contribution à Saint-Etienne. Venu du Chaudron, Ghoulam découvre la fournaise du San Paolo. Réellement, je ne pensais pas trouver un public aussi impressionnant. Et en venant ici, j'étais stupéfait de voir l'engouement qu'il y a autour du club. Le plus impressionnant, ça a été à Auchan, je pense. À un moment donné, ils ont appelé la sécurité. C'était obligé d'appeler la police pour que je puisse sortir du Auchan parce qu'il y avait trop de monde. 3 mois de Serie A, à la découverte d'un football différent. Ou plus qu'ailleurs, la solidité défensive est une priorité. Ça va beaucoup plus vite. Le jeu, c'est beaucoup plus propre qu'en Ligue 1. Et moi, ce qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est le milieu de terrain. À Rome, à la Juve et chez nous, c'est vraiment du très très haut niveau et ça va très très vite. Donc, faut tout le temps être aux aguets et être concentré. C'est vrai que j'ai cette fatigue mentale qui est beaucoup plus importante ici qu'en France. Hier soir, Milan a déjà des airs d'été, mais l'heure n'est pas encore aux vacances. L'Inter accueille Naples avec une 5e place à consolider. Le Napoli, lui, veut assurer sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Les enjeux n'empêchent pas Faouzi Ghoulam de retrouver Saphir Taider, son coéquipier en équipe d'Algérie. Bon, qu'il fasse un bon match avant tout, mais nous voilà, on est là pour prendre les 3 points parce qu'on en a besoin, on fera tout pour remporter le match. L'Inter est bien en place, mais à la 10e minute, Ghoulam récupère un ballon que D'Ambrosio contrôle mal. La suite est une fulgurance de Mertens, gâché par Caillerone. Naples domine en deuxième période, mais à la 82e, Inler voit s'écraser les chances de victoire sur le poteau d'Andanovic. 0-0 et deuxième nul de suite du Napoli, qui pourra sauver sa saison samedi prochain. Il défiera la Fiorentina en finale de Coupe d'Italie. Vite se projeter, parce que la semaine prochaine, on a un grand match qui nous attend, on est à la finale. Tout le peuple de Naples attend ce match-là avec impatience et nous aussi. Et j'espère qu'on va réaliser une très belle prestation et qu'on va gagner cette coupe. Troisième de Serie A, la saison prochaine, Ghoulam devrait découvrir la Ligue des Champions. Il aura l'occasion d'entrer pleinement au Panthéon des Napolitains. Et à 3 journées de la fin, même s'il